gauche 4 et droite 4. Message de FunFan1992, le compteur de ton tableau mystère est à zéro. Message de FunFan1992, si tu parles, je t'entends pas. Alors merci de me le signaler, il faut que je pense à ouvrir le micro quand je prends l'antenne. Ah, voilà! Vous me connaissez maintenant? Tiens, mais je débranche même d'ailleurs, j'ai un faux contact. J'en débranche ma manette accidentellement. Accidentellement, pardon. Oui, c'est bon, merci. Allez, carrière, on continue, on prend. Oh, j'en suis qu'à 13%. Mazette. Il y a des trucs en bas que j'ai pas gagné. Je peux réessayer depuis le bas. Ah oui, via la course bizarre. Enfin, bizarre. C'est typiquement American. Je vais peut-être essayer de la gagner cette fois-ci. Allons-y. Qu'est-ce que je disais? Que ma sieste m'a fait beaucoup de bien. Quel compteur, très juste remarque de ta part, du tableau mystère est à zéro, mais c'est moi qui l'ai désactivé parce qu'il est buggé.
Je le programmerai mieux dans les semaines à venir. C'est pas urgent, c'est pas grave. Je ferai le tableau mystère 10 minutes avant de te faire le relais de chaîne tout à l'heure, 21h. Par contre, j'ai eu le temps de corriger rapidement ma copie en 5 minutes chrono. Le coup des compteurs qui buguaient tout à l'heure, avec un peu de chance, d'ici 5 grosses minutes, il va se mettre à jour et on va voir énormément de spectateurs en direct. Et surtout, la nouveauté, pour ça que je l'ai programmé, le nombre de messages que vous avez déjà déposés depuis que j'ai pris l'antenne. Ce qui était entre guillemets un privilège, un avantage réservé aux testeurs, aux diffuseurs de la PlayStation. J'ai hâte de voir si j'ai bien corrigé ma copie. Donc le compteur bleu m'intéresse aujourd'hui. Et je vais mieux. C'est pas encore top top, mais je vais mieux. Je sens que je suis fatigué, mais j'ai suffisamment... Message de FunFan1992. Je disais, je t'ai demandé en ami, tu répondras quand tu pourras. Ouais. J'ai bien entendu. Pas de soucis, merci. Donc je me sens... Je sais que j'ai suffisamment d'énergie pour assurer 3 heures de direct, là. Plus 3 heures de commentaires pour toi, faire notre samedi commenter comme prévu sur ta chaîne. Donc je suis content. Et oui, le coup de la bande d'amis PlayStation Network, bah du coup on a vu sur mon signal brièvement comme pseudo là, comme je joue à la PlayStation. Mais oui, bien sûr, avec grand plaisir, je vais le dire tout à l'heure. Merci, c'est cool. Oh, on pourra se faire des trucs en commun dans le futur, c'est sympa. Oh, j'ai un débris du portier. Ah, non, je suis dernier, tant pis. Si je suis allé pépère. Ah. Oui, je suis pas allé au forcing. Voilà, tranquille, quoi. Écoutez, c'est même limite. Ça m'a traversé l'esprit en me réveillant. C'est limite si j'ai pas lancé du Minecraft. Je me suis dit, oh, c'est abusé. Je vais pas faire du Minecraft de jeu d'affilée. On sera encore plusieurs avec enthousiasme sur un serveur qui aura un gros projet en commun. Ça pourrait être sympa. Mais là, c'est pépère, je joue tout seul. C'est pas drôle. On entend la musique rock. Oh là là, quel engin. Ah, c'est rigolo.
D'ailleurs, je m'étais dit au niveau de Milan, on va défiler un métier, mais. Voilà. Je vois presque mettre Nix 10. Oh, voilà, coupé. Voilà. Parce que j'aurais peur qu'on confonde le nom de mon œuvre avec la musique d'habillage. Oui, je vais bien recommencer. Je sais le faire mieux, allez. On va essayer de pas finir dernier. J'ai pas dit premier, mais pas dernier. Ça, c'est terrible, ça. Ah là 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 là. Allez, on se reprend. C'est mieux que rien, m'améliore. Mais là, on en fait une autre. Je vais pas recommencer celle-là. Mais là, je suis content. Il faut dire, il y a un concurrent qui s'est méchamment blindé. Pourquoi les compteurs sont pas mis à jour? C'est bizarre, dans mes infos de débugage, j'ai bien les bons chiffres, les bonnes valeurs. Nombre de messages 11 et nombre de spectateurs derrière 2. Mais les compteurs eux-mêmes sont restés à 0. Pourquoi ils ne sont pas rafraîchis? Ah, je les ai peut-être désactivés par à cause du crash, je crois. Attendez voir, je vais rapidement reprogrammer mon truc le temps du ralenti. Patoun. Oh mon dieu, les patounes. J'ai les patounes. J'adore ce son. J'adore comment j'ai transformé ma voix comme un idiot. C'est trop drôle. Voilà pourquoi ça marchait pas, mon pote.
Ah non, il me dit 13 est un métier très allumé. Ah merde alors. Non, je débug en même temps mon programme. Ouais, je vais refaire une course et puis je vais essayer de débloquer mon truc après. C'est bizarre. C'est bizarre. Oui, cet après-midi, je suis en PLS. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Eh, pas mal, 5e. Me défends. Les gens commencent à te remarquer. Oula, il en met du temps à sauvegarder de profil. C'est vrai que je reconnais que le rallye, moi qui me viens ça, je me sens pas spécialement chaud, encore que. Ah, la terrible épreuve espagnole. Allez, je suis fou. Je me lance dedans. Je peux la faire. Commence.
C'est à quoi je me pète là. J'anticipe pas, pourtant qu'il me dit bien deux hein, en deuxième rapport. Mais non! Oh là 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 là! 100, gauche 3 et droite 4. Et gauche 4. Et gauche 5. Et droite 5. Et droite 4. 40, gauche 4 et droite 2. 100. Je pensais pas toucher, j'ai eu du vol de papa de la roue. J'aurais pu arracher mon tronc. Mais... Oh merde. Où 60, gauche 4 et droite 4. 40, droite 4, gauche 3, droite 4. 40, gauche 4, droite 4. 40, gauche 4 et droite 2. Oh oh. Oh mon dieu. Je crois que je vais la recommencer. Allez. Soyons honnêtes. PLS, c'est ça, t'as raison. Ah oui, inégalé dans ma bêtise. Merci. Et gauche 4, droite 4, gauche 4. L'équipe ou l'équipe. 80, gauche 4 et long droite 4. 80, gauche 2.
60, gauche 4. Wow, comment j'ai pilé la fumée au niveau de la boucle. Mais... droite 4, gauche 5. Et long droite 4. 150. Gauche 6. 80. Long droite 5, plus de 150. Se resserre 2. Non. Je peux aller le contrôle. Out of control. Et gauche 3. Ah, tu m'as écouté les œuvres du groupe The Chemical Brothers. Je crois que c'est Chris Goldott qui disait qu'il aimait le plus go. Moi aussi j'aime bien écouter de temps en temps. Très belle compo. Je suis allé trop vite. 80 droite 5. 40 longue gauche 3. 60 droite 4. Et très long droite 4 s'ouvre. Ah, je la mets. Gauche 5, droite 2. Et gauche 4 s'ouvre. Oh du. Bon là j'ai fait 8ème. Bon, je crois que c'est mon meilleur résultat. Mais le pire, souvenez-vous, la fois où je m'étais mis dans tous mes états, que je m'étais viandé à l'arrivée. Je crois que j'étais parti pour gagner, j'étais dans le vert. Je suis dead. Mais je finirais bien par la regagner celle-là. Attendez, excusez-moi, je bois un coup. Alors, je retourne en même temps à la programmation de mon truc. Je suis pas loin de la victoire là dans la programmation de mon chemin. Je peux le faire. Merci des encouragements. Ah, ça fait toujours plaisir.
je réfléchis. Parce que si je fais une main tout ça, ça fonctionne ou ça fait... Bon, allez, je crois que je suis bon. Ah, ah, ah. Je bouge pas au niveau de la manette. Bon. Tu as réussi de jolies choses. Je suis sûr que ça irait mieux avec un autre essai. Yo. Oh là là. Peut-être aussi un autre rallye, non? Ouais. Royaume-Uni, oui, ça me surprend de ne pas l'avoir gagné. Mais Allemagne, c'était beau, je crois, le rallye. C'était la descente le long des lignes et on arrivait sur un point d'eau.
gauche 4. En fait, la principale difficulté ici, c'est la descente en lacet. À prendre mes repères parfois. Droite 6 vers gauche, se resserre 2. Bonjour Elodie, j'espère que tu vas bien. Eh oui, ça pilote. 60, gauche 6, 150. Droite 6 vers gauche 4. Nous sommes en Allemagne. Et long, gauche 6, joli rallye d'Allemagne. Elle est belle cette étape. 60 droite 5. 80 gauche 6. 60 gauche 4 sur crête. 60 droite 6. Oups. 100 droite 6. Je suis en train de refaire les routes allemandes. Gauche 6. Alors, droite 6 sur saut. Et arrivé. On peut faire mieux que ça. Bonsoir Twitsen. Je me rappelle trop de ce jeu, j'y jouais quand j'étais en foyer. On se marrait trop avec les gauche, moyen, droite, léger. Ah. Mais c'est un beau jeu, hein. Il y a du contenu, punaise, et il est beau. Thank you.
mais... Je me demande si j'ai pas trouvé le... l'erreur dans mon programme. On verra le modèle, mais c'est bien une Clio, oui, on prenait la Renault Clio. Attendez, pardon, parce qu'en même temps, je suis en train de débugger un de mes programmes. Merde! J'ai eu un bug. Il m'a dit machin 24 ou quoi, un entier valable. Pendant ce temps, Twinson continue à jouer au tableau mystère et il a raison. Alors vous inquiétez pas qu'il n'y ait plus d'indication de tableau mystère, enfin de l'horloge. Mes compteurs sont activés parce que je suis en train de reprogrammer mon programme. Là. Je suis en train de bidouiller un truc en coulisses. Et quand je suis en direct, ça bug. Alors que quand je suis hors antenne, ça marchait. Donc... je suis en train de chercher la solution de ce qui va pas. Ah bah après les bonnes réponses, je les compterai tout à l'heure, peu avant 21h. Renault Clio Super 1600. Voilà, on l'a vu l'intitulé. Ah, il perd pas le nord, une scène. Hein. Presque... mais pas tout à fait. Recommence. Oh, Rally Red, j'ai pas gagné. Rally Cross non plus. Vas-y voir le Rally Cross en France en plus. Allez. Mais oui, c'est très bien, une scène. Tout à l'heure, j'ai même une proposition d'EJ, qui était pas bonne, mais EJ participait aussi. Oh, que c'est chiant d'être barbouillé, d'être malade. C'est bien, tu le sais, c'est bien. Oh là là, je maîtrise pas mon véhicule. Oh là, j'arrive trop vite. Moi je l'ai tamponné le pauvre. Tu parles d'un super pilotage toi. Non, peut-être à que... Eh merde! Pourtant le circuit est pas compliqué. Là je vais la refaire.
Ah, tu as raison, Elogir. C'est pas une cabriolet. C'est vrai, la F40, elle est fermée. Tu peux pas la mettre en cabriolet. C'est donc une Testarossa. Et ben, je te prie de bien vouloir m'excuser. Tu as raison. J'avais gardé en tête que c'était une F40. Mais oui, forcément, on voit même les expressions de la blonde et du pilote. T'as déjà commencé. Mea culpa, tu as raison, Elogir. Eh oui, merci. C'est donc du Testarossa. J'ai dit des années. C'est bien de m'avoir corrigé, merci. Ouais, faudra que je révise entre les deux modèles. On voit que je suis pas pro Ferrari. Très grave faute de ma part, j'allais percuter la cabine du commissaire de course. Il a failli basculer lui. Ouais, j'ai coupé. Très bien. Couper la trajectoire un petit peu. Ouh, c'était viril. Oui, non, tu as bien fait, Elogir, de vérifier tes souvenirs. Tu as bien fait, mais c'est vrai que j'ai. Il est chiant sur le contact quand je recharge la manette. Je joue en auto, non, pas en manuel. Je joue en auto. Surtout que je suis barbouillé aujourd'hui, donc mon pilotage, t'as vu, c'est pas top. Non, là, je peux pas gérer les vitesses. Là. Mon cerveau, il est trop en inflammation pour gérer ça. Là, je peux pas. Je suis en PLS aujourd'hui, comme dit FunFan. Encore, je serai en forme, je dis pas. Je pourrais essayer, mais là, j'en suis pas capable aujourd'hui, désolé. Il est notre. Il est en PLS, 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 comme les autres. Tu me poses la question si on peut le faire. Je crois, oui. Je crois qu'on peut le faire. On va vérifier dans les menus après. Pendant ce temps, Twinsen est en train de faire des recherches sur les tableaux mystères et cherche le dernier jeu avec les boutons là sur l'armée, les engins de mort. Là. Je disais. GG, Twinsen, c'est ça. T'as trouvé. Ah la vache, t'es redoutable. Bravo, Twinsen. Oh là là, il me démonte mes tableaux mystères. Bon, bah, prochain tableau mystère, je vous le mettrai peu avant 21h. Soupir. Il
J'ai hâte que quelqu'un arrive sur la chaîne et fasse concurrence à Twincell. Sachant que LG se défend bien et FunFan a eu des bonnes réponses au début, c'était bien. Bonjour Bob. J'espère que ça va bien. Oh, j'aime bien les rallyes raid. Que je lance le truc temporairement, que je m'amuse. Au moins on retrouve une horloge. Ah bah, elle est bonne. Là il me donne les. Ah bah. Ah non, attends. Il n'y a pas 6 personnes qui suivent ma chaîne. Qu'est-ce que c'est que ce bug? Oh là là. Mes compteurs sont buggés, faut vraiment que je corrige mon application. Non pardon, je te lirai à mon ralenti, Elodie. Message de FunFan1992, Elodie, en ce moment je scotche pas mal Forza Horizon 5. Et je joue en boîte manuelle sans aucune aide au pilotage, sans ABS, TCR, ESP, et franchement sans aide et boîte manuelle C et qui funt les freinages et descendre les rapports tout en freine C est un coup à prendre mais jouissif. GG à toi. Bah t'es récompensé en fait d'être en mode manuel, c'est-à-dire que tu peux pleinement maîtriser le bestiaux que t'as entre les mains. C'est tout à ton honneur, c'est bien, bravo. Ah, c'est serré, hein, comme oui, superbe. Et je pense que je peux la gagner. Vu que le sage est un peu fatigué, je mets un message vocal des pavés. Ouais, pourquoi pas. Pas de soucis.
Oh, je la retombe tout de suite. Je me relance tout de suite. Oui, merci pour les GG. 150 gauche 5 sur ECR 4. Oh, la difficulté de se placer. Message de FunFan1992, elle pose une question, quelle année ce jeu? Si tu as la date en tête? 60, 3, non, j'ai pas la date en tête. Oh, une recherche rapide sur internet. 100, 3, 3, ah! Excusez-moi. Oulala. Oulala. Voilà, le truc bien dégueu qui arrive en direct, excusez-moi du peu. Une rapide recherche sur internet, Colin McRae Dirt, sur PS3, vous trouverez la date aisément. Merde, du coup je suis hors circuit là. Oui, c'est propre. Hein. Merde, je suis en fusion de avec l'autre. Droite 5, vers gauche 5. 150 sauts et crête gauche 5. Non. Oh là là, 4 dixième centième, je sais plus les secondes. Wouh. 2007. Message de FunFan1992, Bio dit je trouve l'image bizarre, on dirait qu'il y a un filtre brun sur le jeu. Non, il n'y a pas d'effet sépia. C'est le côté désertique. Bah, du moins, moi, il n'y a pas d'effet spéciaux au niveau du traitement de l'image. J'avais le signal brut de la PlayStation. Je suis bien niqué les sinus avec mon éternuement à la cour. C'est chiant. Oh. Ça me fait une gêne supplémentaire. Oui, merci pour le coup.
J'aime bien cette musique. Ouais, j'ai connu les Verali, j'étais mauvais. Ils sont pas évidents les Verali. Le 1 encore à la limite, j'arrive à me défendre. Mais le 2 et le 3, j'étais pas bon. Ouais, j'ai connu les Verali. C'est Garali, ouais, j'ai fait. Je l'ai fait d'ailleurs, si j'ai pas d'ennui, je crois que j'ai mis une. Sur ma chaîne YouTube, j'ai mis une compile d'une vieille partie. Message de FunFan 1992, Bob a dit Bio Morlock, garantie 100% nature. Mmh. Oui, bien pour les jeunes. C'est Garali, une vieille partie d'il y a des années que j'avais eu la chance de faire au volant pédalier. Là. Avec de la musique électronique dance house dessous. Comme je ne demande pas à être rémunéré sur YouTube, ils ne font pas su, ils me disent vous ne pouvez pas monétiser votre vidéo, il y a des droits de musique au-dessus. Mais je m'en moque, ça ne m'empêche pas de la publier. Donc vous pouvez la voir si ça vous intéresse. Je crois qu'elle fait un peu moins d'une heure. Je sais pas. Alors c'est assez bouilli de pixels parce que c'est. C'était un début de captation pour moi sur l'ordi, je sais plus ce que je faisais. J'avais changé le système de captation et après je me mettais au point. Ouais, mais apparemment je me crédite en pognon, donc c'est pas plus mal. J'ai de la qualité. Merci, merci. Vas-y, que je retente la. L'Australie en rallye, je sais plus. Je sais que c'est très boisé. Pourquoi il m'a fait bugger mon nombre de fidèles? Ça n'a pas de sens. Et saut 80 grands sauts.
Merde, je peux le comprendre. J'ai gagné. Génial, on a gagné. Oh, je ne dirai pas de vive voix ce que vous écrivez dans le chat. N'importe quoi. N'importe quoi. Le nombre de fidèles il m'a cliqué, c'est 62 ou il écrit 6. Je me demande si je suis pas fiévreux. Déjà Bob. Mais je suis bien content d'avoir gagné. Ah,
C'est bien, ça t'a rappelé le bon temps, mes compos, Bob. Ah, c'est bien, j'en suis ravi. Ah oui, bon appétit pour ceux qui sont à table. Oui, bon app, FunFan. À tout à l'heure. J'ai vraiment fait une programmation bizarre. Mmh. Allez, si je la retente, allez. Pff, je vais pas le faire. Non, c'est pas ça, Bob. Pas de griffon d'or. Surveille ta vitesse pour bien négocier les épargnes ici. 80, gauche 6 et droite 5, coupe. 100, prête gauche 5 et droite 5, se resserre 2 vers bitume. Merde. Non, je vais pas aller dans les lignes. Oh le con. 60, gauche 6. 60, serre gauche sur crête et droite sur crête. 40, droite 5 et gauche 5. Merde. Oula. On va la refaire. Attends, n'importe quoi, moi. Tu maîtrises. Concentre-toi. Oui, j'ai tellement zappé vite que je pourrais même plus dire que modèle c'est, mais tu as sûrement raison. Ok, perte de contrôle. 100, gauche 6, 60, gauche 1. Ah, tu peux pas lorgner le bord. Droite 6, 80, droite 1.
coupe droite 1. Alors, que je vous lise. Quoi? Oh, mais elle est chiante, là, au niveau foot de tête, quand même. Et il y a le signe de la Peugeot, là. Il est un peu dans les gorges du pichou. Oh, mon Dieu. Dans la gorge, qui... n'importe quoi, le gars. D'ailleurs, c'est toujours Peugeot, ou on dit Citroën Peugeot, maintenant. Honnêtement, je crois pas bien. Avant, en tout cas, Peugeot et Citroën, c'est le groupe PSA, maintenant, je sais plus. Ouais, bah ouais. C'est une galette où, en fait, des rallyes, ça s'appelle comme ça, j'y peux rien. Oui, bah oui. Ouh, je vais me réinstaller différemment, là. Oh là là, cette sortie. Mais ma sieste de tout à l'heure a été salutaire. J'ai repris de l'énergie, ça fait du bien. Là, je sais que je vais pouvoir être à peu près clair dans la voix pour Fun Fan tout à l'heure. L'épisode commenté qui va jouer à la fin de Deus Ex, l'excellent Deus Ex. Ah oui, tu es une scène, je sais pas comment il se débrouille, mais il est très fort. Il a trouvé toutes les bonnes réponses là. Je refais le point dans un peu plus d'une heure. Dans une heure et demie en gros. Vers 20h50, je refais la démonstration que tu es une scène a tout trouvé. Et puis tirage au sort d'un autre tableau. Ah oui. Ouais, ça c'était un bon mot de Jean-Yann. Quelle est la bonne recette du repos? Faire un petit somme avant la sieste. Et regretter Jean-Yann. C'était le côté un peu fidèle, je sais. J'ai pas les mêmes données. Attends, moi je crains.
Je parle de mon programme, hein, pardon. Je suis en train de faire du débuggage. Oh, j'ai pas les mêmes valeurs, ça peut pas fonctionner. Oh, merdoum. Tu m'étonnes que c'est bugué. Bon, allez, la suite. Ça veut dire... On va mettre ça sur le compte de l'expérience. Message compte. Ah, je sais déjà comment, tiens. Très technique les dessins que j'apprends. Mortel. Ah, ça c'est mortel. On va la refaire. Un dégât extrême en plus. J'ai arraché le bordel. Wouh! Oh, elle est dure celle-là. Oui, c'est un peu les chats, ouais. C'est un peu la philosophie des chats. C'est bien. Gauche 5, vers droite 5. 100, gauche 2.
Merci beaucoup pour ce don généreux et spontané. Ça va directement dans la cagnotte de la chaîne et ça permet de financer Serveur Minecraft ou l'achat de nouveaux jeux. Le chemin sur le chemin. C'est vraiment plaisir. Merci beaucoup. Bisous. Alors, merci Bob pour le coup du beat. Du coup, comme j'avais pas mon panneau, j'étais sur la course, ça m'a fait peur, mais c'est pas grave. Hein. Par contre, si elle va pas se lancer deux fois, comme t'as rapidement balancé deux fois un beat, je sais pas ce que ça vaut. On va voir. Peut-être qu'elle va se relancer dans une minute. Oui, tu fais bien de faire des tests. Même moi, ça me permet d'enrichir mon expérience sur Twitch. On continue. Voilà, merci, on va la recommencer. Spontané, ça va directement dans la cagnotte de la chaîne et ça permet de financer Serveur Minecraft ou l'achat de nouveaux jeux, des sacs communs sur le voilà. C'est vraiment plaisir, merci beaucoup. Bisous. Vous aurez deviné que j'ai le signal dans la tronche de que ce que vous avez vous. Donc dès qu'il y a des émoticônes machin, je le vois. Mais bon, j'ai voulu que ce soit comme ça, donc j'assume. 40, gauche 6. 100, droite 6, c'est gauche 5, vers droite 3. Sous. 60. Gauche 5, vers droite 5. Je vais me concentrer. Oh, c'est frustrant. 40, gauche 6. Et gauche 5, et droite 5. 40, gauche 6. 100. Droite 6, et gauche 5, vers droite 3. Sous. 60. Gauche 5, vers droite 5. Gauche 2. 40, droite 6. 80, gauche 4, vers droite 4. 80, gauche 5. Et long droite 5. Et gauche 5. 100, long gauche 5 et droite 5. 60, gauche 4, droite 4, gauche 5. 40, droite 4. Oh là 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 là. 100, droite 4 et droite 5. 80, gauche 4, 60, gauche 2. 60, droite 6, 40, droite 2. Très technique. 60, gauche 2, se resserre. Et droite 2. Et droite 3. 80, gauche 5, se resserre 2. 80, long gauche 4, 60, droite 1. Il est des nôtres. Il est en PLS, 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 comme les autres. 100, serre droite sur saut. 80, long gauche 3. Merci beaucoup pour ce don généreux et spontané. Ça va directement dans la cagnotte de la chaîne et ça permet de financer Serveur Minecraft ou l'achat de nouveaux jeux, des sacs communs sur le chemin. C'est vraiment plaisir. Merci beaucoup. C'est vraiment plaisir. Bisous. Je vais boire un coup du coup. Bisous. Mais merci. C'est toujours ça qui vont dans la cagnotte. Nah. Allez-y. 80, long droite 2. 100. Droite 6, c'est gauche 5, se resserre 4, se resserre 3. 40, droite 3 et droite
3. 80, gauche 6. 80, gauche 5, droite 5, gauche 5. 80, long droite 5 et gauche 5 et droite 5. 60, long gauche 5. 60, très long droite 4. 60, long gauche 3. Merde, j'avais pas vu la barrière. 150. Gauche 5 et long droite 5. 150. Gauche 4. 40, droite 4. 100. Gauche 6 sur saut. 60, gauche 5. 100, arrivé. Belle étape. Pas évidente, mais belle étape. Le ralenti va être joli. Pardon, je viens de foutre un coup au micro, je suis désolé. Merci beaucoup pour ce don généreux et spontané. Ça va directement dans la cagnotte de la chaîne et ça permet de financer Minecraft ou l'achat de nouveaux jeux. Bisous.
Alors, on retrouve l'horloge au-dessus de ma tête. Mais il faut que je corrige ma copie au niveau de mon programme. J'ai un bug de conversion en fait de au niveau des variables. J'extrais d'une chaîne de caractères un entier, comme on dit en mathématiques. Sauf que mon entier se retrouve avec des caractères non numériques, donc ça crache. Et j'ai mal extrait l'info. Donc là, je suis en phase de débugage. Le pire, c'est que mon truc marchait hors antenne. Et en fait, la syntaxe, la chaîne de caractères est transformée en direct. Donc je me prends avec des nouveaux caractères que je ne m'attendais pas et ça crache mon logiciel. Je suis en train de le développer et c'est pas évident. En tout cas, merci à vous d'être là. J'espère que le spectacle vous plaît. Ça doit déjà exister quelque part. Alors figure-toi que j'ai cherché TwinSen. Ou alors je te mets au défi TwinSen, toi t'es si bon. Essaye de trouver un compteur de messages sur les chats quand t'es sur Twitch. Pour le moment, l'exclusivité, elle est pour ceux qui émettent depuis la PlayStation. Moi, j'ai cherché pour ceux qui sont sur PC avec Wisebot, ceux qui sont avec Streamlabs. Nada, y a rien. Donc, je développe le mien. M'en fous. J'ai trouvé la variable dans Wisebot. Je suis en train de mettre au point, mais comme vous voyez que je suis diminué là, je fais de la merde, autant le dire. Hein. J'en suis navré. Mais je finirai bien par trouver. Oui, un compteur de messages dans le chat. J'y suis presque. Hein. Mais là, comme j'ai pas de mon intellect, je suis pas bien. Donc, je suis sûr que ça irait mieux avec un autre. Je fais de la merde, voilà. Mais dans 15 jours, je l'ai. Je suis sûr que dans 15 jours, mon truc est opérationnel. Mais je serais curieux que tu me trouves quelque chose, TwinSen. Que tu me trouves un compteur de messages dans le chat quand tu émets depuis Twitch. Pour le moment, c'est l'exclusivité des PlayStation. Quand t'es sur PC, t'as rien. Et pourtant, il y en a des gadgets hein, sur PC. C'est un gadget qui est convoité, le compteur de messages. C'est un gadget. C'est... Comment dire? C'est... j'ai envie de dire, c'est populaire de son inutilité. Il y a plein de trucs comme ça. Mais j'ai envie d'avoir mon compteur de messages. Nah. Allez, Royaume-Uni. Alors, d'ailleurs, vous en pensez quoi du rachat de Activision, Blizzard, Sony? Déjà, je suis en bourse. J'en pense pas grand-chose. Ça me dépasse. Ah, on n'est pas payé par message publié. Mais il y en a des tonnes des variables. C'est un truc de dingue. Quand tu émets sur Twitch, t'as des tonnes de variables. 80, serre gauche sur crête, saut. 60, gauche 5, se resserre 4 sur crête. 150. Droite 3. 60, gauche 5 sur crête. C'est beau. 60 sur pont gauche 4, droite 3, gauche 4. 40 gauche 3 et long droite 2 s'ouvre sur crête. 60 crête et gauche 3. Gauche 5. 40, gauche 6, 40, droite 5. 40, droite 2
sur Crète. Mauvais contrebraquage. 60, gauche 6 sur crête. 2 crêtes vers droite 3 et gauche 4 s'ouvre. 150. 4 sur crête. 150. Droite 5. 100. Arrivé. 'Je regarderai hors antenne, Twinsen. Tu peux cumuler tes réponses hors antenne, merci. Enfin, tu peux cumuler tes réponses et je consulterai après. Mais c'est bien, merci, Twinsen. Dans une heure, on fait le tableau mystère, on fait le point. La conduite de qualité. Mais c'est beau. Pourquoi j'ai un trait là, un trait de pixel blanc sur mon signal? Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est pas mieux comme ça. Ouais, mon papa. Il faut penser à manger. Tu as le live de FunFan ensuite. Non, mais je mangerai pendant le direct de FunFan. C'est-à-dire que je pourrais le guider et faire mon commentaire.
D'ailleurs, en commentaire, je ferai l'histoire de la médecine dans les années 1900, c'est très intéressant. Et au début, il démarra tout doux à son rythme, mais lui aussi, il faut qu'il remette le pied à l'étrier. Il se souvient plus de sa partie. Donc il va démarrer tout doux, je vais le laisser un peu gamberger la première demi-heure. Et ce sera le temps pour moi de me restaurer. Ce soir, FunFan, il reprend les samedis commentés. C'est-à-dire que là, en ce moment, il joue à Deus Ex, le premier demi. Il est aux deux tiers de la carrière, je crois. Encore 2-3 samedis et fini. Il finit le jeu. Donc j'ai envie de dire, il est sur la partie la plus palpitante. Surtout au niveau action. Et moi, par-dessus, bah, je commente. Enfin bref, ceux qui sont curieux, venez. Vous comprendrez. Il vaut mieux que vous voyez par vous-même que je essaye de vous présenter le concept. Et pour les numéros précédents, ça fait déjà un an que j'ai plaisir de bosser avec FunFan tous les samedis sur ce concept-là. Vous pouvez retrouver tous les numéros précédents sur sa chaîne à lui YouTube. Wally Wally. Donc il fera 21h minuit à peu près. Moi je lui ferai un relais de chaîne à 21h. Et 10 minutes avant, on fait le point sur le tableau mystère. Faut lui demander une fiche de paix. Oh, écoute, il me rend bien. En bonne humeur, en modération. Puis on passe des bons moments ensemble. C'est ça qui est beau. C'est l'essentiel, c'est l'essence même de notre activité. Partager des bons moments. Non, continuez, je vais faire un autre truc. Tu as réussi de jolies choses. Je suis sûr que ça irait mieux avec un autre essai. Oui, j'ai de la fatigue. Je suis barbouillé. Et je disais que j'ai l'impression d'avoir de la fièvre, mais non, c'est pas de la fièvre. C'est vraiment il y a de la fatigue et j'ai un mal de crâne en fait latent. Et comment dire, et je suis en sevrage, c'est-à-dire que j'ai arrêté de boire du café depuis lundi midi. Et de temps en temps dans l'année, je me fais une ou deux fois un sevrage où j'arrête de boire quotidiennement du café. Donc là, mon organisme se rince de la caféine que j'ai accumulée. Et le système nerveux est déglingué, dont le cerveau. C'est dur, hein, c'est violent les sevrages là. Mais une fois que j'aurai passé ça, c'est bien, je pourrais reprendre tout doucement du café. Et c'est pas cool. C'est un choix. Moi j'aime bien le café, ça me procure du plaisir au goût et ça me donne du tonus dans la journée. Et tiens, je vais essayer la course là, je l'ai encore jamais faite. Et voilà, je suis Patrac, je suis désolé de me présenter Patrac à vous. Tout à l'heure, vous voyez, j'ai fait une sieste, j'ai coupé mon signal et j'ai pas... Voilà, c'est pour ça que j'arrête pas de me passer sur le front, je sens que mon cerveau, là, il est... Mais une fois, en fait, pourquoi je fais des sevrages chaque année? C'est parce que, une fois, j'ai été en surconsommation de café. Et j'ai eu un effet varicelle. J'ai eu de la pigmentation sur la peau, de points rouges un peu partout. Et mon médecin m'a engueulé en me disant « Mais arrête, tes analyses de sang prouvent que t'as de la caféine dans le sang. » Ce qui est pas bon. Donc à partir de là, j'ai fait un sevrage pendant 15 jours. Ça a été violent. Mais je me suis rincé et depuis, j'ai réduit ma consommation de café. Je me limite à deux grosses tasses, parce que je le dilue dans du lait. Je m'en tiens à deux grosses tasses par jour, pas plus. Parce que le café et le café au lait me procurent beaucoup de plaisir. J'ai l'impression de commander un truc radio commandé avec la grosse antenne.
Oh, le saut. Vache. Merde, j'ai dévié. Ah non, bah non. J'ai pété mon bolide. On va la refaire. Alors, j'ai un pote qui était accro au coca. Il a décidé d'arrêter. Il a vraiment passé 2 semaines hors de lui. Le sucre, c'est vraiment une drogue. Oui, il y a beaucoup de substances qui créent de la dépendance. Bah, c'est surtout, d'un point de vue chronologique, quand régulièrement, tu nourris ton... Mais et lui, il va dégager de moi, là, ou quoi? C'est la fin de la fusion, là, genre. Hein bon. Pardon. Oh le caillon pour ce numéro de course là, du coup je suis du hors-piste tellement que j'ai peur. Chronologiquement, quand tu nourris quotidiennement ton organisme, tu fais un apport potentiellement excessif d'une substance et tu la supprimes, bah, le corps réagit en conséquence. Hein. Pas forcément bien. Hein. Parfois il te dit j'ai mal parce que on va dire entre guillemets, il y a une brique de construction qui manque. Dans ton apport d'énergie au quotidien. Voilà, voilà. Merde! Il a trop freiné, lui. Ah, débris à la con! Le débris m'a stoppé. J'aurais jamais dû me réceptionner sur le débris. C'est con, j'ai perdu ma 2e place. Je suis 3e. Je croyais que j'étais 2e. Mais... Ouh! Cinq pannes par jour, tu ne sais.
Je vous relis là dans le chat. À part la clope, le café et la bière, j'ai aucun problème d'addiction. Je suis à un âge où il faut commencer à sérieusement arrêter la clope. Je sens que ça va pas être évident. 20 ans de kilomètres. Bah bon courage à toi. N'hésite pas à te faire accompagner. N'hésite pas à te faire accompagner. Généralement c'est bien d'avoir le soutien des proches dans ce genre de problème. C'est du bon son. Heureux fan. Ah, j'avais pas vu que j'avais pas moins. Ah, le débris, il m'a coûté cher le débris. Parlons d'arrêter de fumer, ça existe encore les patchs, je pense. Hein. Oui, les pitch. Non, c'est au goût et les pitch. Les patchs, oui, existent toujours. Ok, merci. Ah, oh, mise à jour des niveaux de fidélité dans sur la chaîne. Merci de votre fidélité. Ça. Vas-y, vois que je m'y frotte. Patch DLC. Putain, mon pompon. Mais pourquoi il... C'est bizarre là. Maintenant, vas-y et montre-leur ce que tu sais faire. Ah.
dommage. Bonjour Kylian. Je devrais dire bonsoir à cette heure-ci. Bonsoir Kylian. Oui, le dos, je crois que je l'ai à peu près droit. Je me suis redressé hier. Il n'y a pas de. Je suis barbouillé, mon cher Kylian. J'espère que tu vas mieux que moi. Moi, je suis patraque. J'ai même coupé mon signal cet après-midi pour faire une sieste, c'est pour te dire. Mais voilà, content d'être en votre compagnie. Et puis, je me distrais, ça fait du bien. Ouais, bah dans trois quarts d'heure, tableau mystère, et puis d'ici une heure, on aura basculé chez FunFan pour votre soirée, votre samedi commenté. FunFan reprend ce soir Deus Ex, promis d'une. Ah, t'as un cas contact, Kylian, dur. Ouais, reste à savoir si t'es vraiment positif ou pas, mais j'espère que ça va, Kylian. J'ai peut-être chopé le virus là, que je me suis pas fait tester. C'est peut-être pour ça que je suis barbouillé aussi. Là. Parce que je parle de mon sevrage à la caféine, tout est possible. Là. Au pire, si je suis encore pas trac en semaine, je prends le nécessaire pour. Ouh la vache! Ok, mon pauvre Kylian. Bon bah, propre rétablissement à toi. Ah, c'est une sacrée cochonnerie. Hein. Je serais fier de monter sur le podium. T'as bien couru. Tirailles en forêt. Ah, avec la Celica. Une de mes voitures favorites, si ce n'est la favorite. Enfin, ma favorite. La Toyota Celica, ultra célèbre. Bizarre, mon tour a l'air d'être correct. C'est beau. Vers gauche 4, vers droite 3, gauche 3. 150. Long gauche 6, vers droite 5 et gauche 5 sur crête. 60, gauche 5. J'ai tellement eu peur de la crête que j'ai filé en fait. 40, long droite 4, vers gauche 5. J'avais peur que ça me fasse tremplin.
t'as pas le droit de sortir, hein. Mordre et un défendu. Oula, je me suis fait peur avec le jeu d'ombre. C'est une belle étape, hein, mais elle est dure. Oui, oui, je vois un coup, merci. J'ai du mal à comprendre votre propos, je vais redire. Les profs mettent même pas leur masque. C'est dur. Oui, c'est par fidélité des points de chaîne qu'il gagne. Plus tu restes à l'antenne, enfin l'antenne, pour, je veux dire, durant mes directs, c'est un peu un compte fidélité. Et puis après, ça te permet de débloquer des trucs pour faire mumuse. Interagir là, du direct, mais je rééquilibrerai bientôt mes points dans ma boutique là, parce que je crois que mes tarifs sont trop élevés. J'enverrai ça pareil dans la quinzaine. Alors par contre, mon programme, je crois que je peux le débugger, parce que là il me fait des résultats corrects. Donc je devrais retrouver mes compteurs d'ici 2 minutes. Laissez-moi donc corriger ma copie s'il vous plaît. Mon gadget devrait être en marche. Alors, ça passe ou ça casse ? Ah, ça casse. Pourquoi? 188. C'est un entier invalide. Attends, oui, il y a ça qui va pas. Ça c'est quoi? Ah, il y a un clic. Oui, mais c'est pas bon ça. Oh,
je vais remettre la mini éclat dans le programme. C'est pareil, c'est le même courant de ce que j'ai fait. Je reviens vers vous sous peu. Attendez, je suis en train de débugger mon programme, pardon. J'ai besoin d'être en direct, en fait, pour le résoudre mon pépin. Donc, c'est pas 10, mais c'est 11. La chaîne de caractère 11. Normalement, là, c'est bon. Non. Message de FunFan1992, le défi du chapeau est terminé. Déconne pas. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Alors, le chapeau déverrouillé, c'est lequel? Je vais regarder. Attendez. Je m'engage à le porter jusqu'à la fin de la séance et tout demain, comme vous l'avez déverrouillé. Attendez, je regarde, j'inspecte les résultats, points de chaîne, récompense. Bah, pourquoi il ne me le met pas à jour? Ah oui, terminé. Tac, c'était quoi? Oh mon dieu! Je crois que tu vas l'aimer, FunFan. Je crois que tu vas l'aimer. Où qu'il est. Attendez, je vais lancer un chargement. Voilà, il va me charger un truc. Je vais aller chercher le dit chapeau. Vous allez voir, je vais m'en coiffer. Oh là là! Oh mon dieu! Ils ont déverrouillé un chapeau. On va mettre ça sur le compte de l'expérience. Bravo. Alors, je crois que ça se porte comme ça. Mon crâne est tellement, j'allais dire difforme et énorme. Voilà. Je sais pas si. C'est le chapeau melon. Oh la vache, j'ai... Oh yeah, pas mal. Vous pouvez disposer et aller couler un bronze dans votre couvre-chef. Mais non, je suis pas allé faire popo, ça va pas, non? Fini, FunFan.
C'est le chapeau melon. Vous avez déverrouillé mon chapeau melon. Parmi les nouveaux chapeaux. Par contre, je dois avouer qu'il n'est pas super top à porter. Il est dur. Il faudrait que je l'aménage, le chapeau melon. Non, je mets pas de bottes de cuir, non, ça va pas, non. Ouh, deux étapes d'Espagne, ça va être la violence. On va essayer le rallye d'Espagne en deux étapes. J'ai le chapeau melon. Ah là là, oui, il va falloir que je l'adapte à mon crâne, dur. Je sais pas comment je vais le mettre. C'est pas super agréable. Ah, peut-être que je le bourre à la laine, je sais pas quoi. Là ça va, je me dis que je dois tenir à l'antenne encore quelques minutes, mais j'aurais pour plus d'une heure, je tiendrai pas là. Comme je suis pas frais. Ok, on recommence. Je démarre très mal le rallye. Oui, le chapeau me va pas. Bah après, il faudra choisir hein, dans la galerie de chapeaux. Ceux que vous aimez, ceux que vous aimez pas. Hein. Gauche 6, 40, gauche 4. 60, droite 4 et gauche 6. 60, gauche 4. 60, droite 3. 60, gauche 2. Il est tellement dur, le chapeau melon, j'ai l'impression d'avoir un tupperware sur la tête. Oh, la bande kilométrique. Je me la pète. Non, c'était une souche. Non, c'était une bande, c'est bizarre. Ça troll. 50 long droite 4 se resserre et gauche 5. 60 droite 3. 60, alors un indice pour la prochaine coiffe à déverrouiller la semaine prochaine. Enfin, je referai en place le truc pour demain. Je réinitialiserai le compteur. Mais dites-vous que Zex de Citron sera très content. Donc si vous vous souvenez de l'enthousiasme pour quelle coiffe Zex de Citron avait manifesté sur ma chaîne, vous savez quelle est la prochaine coiffe à déverrouiller. Là, Zex de Citron, faudra l'appeler la prochaine quand je l'aurai déverrouillé, parce qu'il va être mort de rien. Beau. 60 droite 5 se resserre et gauche 3. 40 long droite 3. 60 gauche 5 et droite 5 et gauche 3. Et droite 4. 60 droite 4 et gauche 3. 60 gauche 2 vers droite 3. Gauche 3, 80 droite 4 et gauche 6, 60 gauche 2, 60 droite 1 sourd.
sur Auxerre. 40, gauche 3. 40, droite 4. Et gauche 5 sur Auxerre 2. 40, droite 2. 40, droite 3 et gauche 3. 40, gauche 3 vers droite 3. 40, droite 3 et gauche 3. 80, arrivé. Wouh ! Je suis pas dernier. Tu feras mieux la prochaine fois. Ah bah je vais vous lire. Ouais, The Avenger. Merci. Il a pas loupé Bob sur sa faute de frappe. Ah, tu t'es mis au fret une scène, tu t'es décrassé. Fun fun, oh t'es terrible. Merci de donner ces détails croustillants une scène. Bon appétit pour ceux qui sont à table. Oh, oh, tu ne sais. Oh, t'es terrible. Ah là là. Ouais, on fait le point dans 20 minutes. Message de FunFan1992, j'ai un concept de tableau mystère. Pourquoi @twinsandtwitch nous fait pas un tableau mystère avec toutes tes photos de célébrités FunFan True? Pourquoi pas, il y a des idées. Mais moi, mes tableaux mystères, j'aimerais rester centré sur le thème principal de ma chaîne qui est les jeux vidéo. Je me vois pas faire un tableau mystère sur les célébrités, sur le cinéma, sur la cuisine. Si quelqu'un sur sa chaîne veut faire ça, qu'il n'hésite pas, c'est beau, c'est bien. Mais je suis en train de marquer déjà le chapeau melon. Rien qu'en celui-là, dedans. Oh, vous êtes terrible.
que je fais, je comprends plus. Bah, il faudrait masquer les titres des jaquettes, mais ça pourrait être un concept. Ouais, ça peut être un tableau mystère spécial. Oui, on peut faire. Ouais. Même dans ma superposition de certains de mes tableaux, les images, on voit que je fais exprès. Je gère ma superposition pour cacher des éléments pour pas vous donner la réponse trop facilement. Oh, le paysage est magnifique. Vers droite 4 et gauche 4. 150. Gauche 3 vers droite 4. Et droite 5, gauche 5. Droite 5 vers gauche 3. Droite 4, gauche 4. Et droite 4 vers gauche 3. 80, droite 4. 40, droite 4 vers gauche 5. Et droite 5, continue sur 200. Vers gauche 2. Droite 3 et droite 3. 50, droite 4, vers gauche 3. Vers droite 3, vers gauche 2. Vers droite 3, 60, gauche 3. Vers droite 4 et droite 4 s'ouvre. 40, gauche 5. 150. Gauche 3 et droite 3. Droite 5 et gauche 4. 50, droite 4 et gauche 4. Gauche 4. 40, droite 3 s'ouvre.
200. Tunnel, 40, gauche 3. Et arrivé. Oh vache. Oh 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 oh. Ah, il me tient chaud, hein, le... Le chapeau melon. Les jaquettes mystères. Ah ouais. Les belles jaquettes de la Atari 2600. Dans les prochains tableaux que je suis en train de préparer, Mega Drive. Ouais, dans 10 minutes, on se prend. Finalement, je le retire, le chapeau. Il me pèse trop. Faut pas que je me mette dans le mal pour ce soir. Mais il faut que je l'aménage, le chapeau melon. Oui, alors il y a un truc que je vais débugger dans mon programme, le temps du ralenti.
suis pas en forme, hein. J'arrive pas à programmer mon truc. Je suis déçu. Ouais, je crois qu'on va faire le point, t'as raison. Tu as raison. On va tout couper. Enfin non, attends, j'ai pas enchaîné ma progression là. Attends, il est des nôtres. Il est un PLS, 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 comme les autres. Attends, qui sauvegarde ma progression et après je coupe la console. Tu commençais à bien t'en sortir. Tu voudrais pas réessayer? Voilà. Ce serait dommage que je perde pas mon effort. Enfin, que je perde mon effort, pardon. Elle est beau. Message de FunFan1992. Si tu te sens pas, je fais un autre jeu. Ah si, ça ira. Ça ira, FunFan. Si, si. Non, mais n'oublie pas, il faut que je dîne durant ton... Donc, durant le tableau mystère, là, quand vous avez commencé à chercher, je vais chauffer mon truc sur l'en cuisine. Et je reviendrai lire vos réponses avant de te faire le relais de chaîne. Alors. Donc, FunFan. Tu une scène à tout trouver, notre tueur de tableau mystère. Donc, effectivement, il faut que je reprenne le clavier, Nigo que je suis, pour attribuer les points. Voilà, encore 2 fois 500 pour... Il fallait trouver Shadow of the Comet, Steel Panthers, Suzuki All-Star Challenge et faire un film avec Steven Spielberg. Il a tout trouvé, une scène, il est terrible. Il a tout trouvé. Je prépare un nouveau tableau mystère. Ouais, on est le 22. Alors. Tirage à la roue. Chiffre des dizaines. Non, j'ai que 70 tableaux. On recommence. Chiffre des dizaines. Ah, 4. Chiffre de l'unité. 42. Est-ce qu'on l'a pas déjà fait le 42? Ah, oh, on l'a pas fait. Alors, sous vos yeux ébahis, il va apparaître. À vos claviers. Point d'exclamation, TM, espace suivi de votre réponse. C'est parti. Ouh, il y a un jeu que j'aime bien dans le lot. Deux jeux que j'aime bien dans le lot. Même 3 jeux que j'aime bien. Il y a 5 jeux à trouver. Alors, je vous laisse chercher. Moi, je vais aller faire chauffer mon miam. Je vous rejoins dans 3 minutes à peine. Voilà, prenez... Attendez, je vais même vous mettre de la zik et oh. Je sais pas, je vous mets ça. Où ça? Mouah. Attendez, hop, je reviens. Je vais préparer ma popote. Déposez vos réponses.
Alors, que je regarde le... vos premières réponses. Oh, je vois de belles choses. Oh, je vois de belles choses. Alors, attendez. Non, il n'y a pas de Spider-Man. Bien. Ah, je te l'accorde. C'est bien, il y a des bonnes réponses. Non, Bob, pour Steve Malris, c'est pas ça. Alors, que je commence à attribuer des points. Oui, je vais l'accorder à Fun Fan. Ah, il y a une bonne réponse de Fun Fan. Pardon. Une bonne réponse de Bob Morlock. Je l'accorde à Twinsen, je vois qu'il a écorché, mais je lui accorde. Donc, les premiers points. Je regarde la suite de vos réponses. Non. Non, tu une scène, c'est pas Artifact. Wouh. Alors, ceux qui ont été trouvés. Merde. Évidemment, vous avez reconnu le Virtua Cop. A été trouvé la moto. Il y a quoi d'autre qui a été trouvé chez Jepu? Ah bah rien d'autre. Vous avez trouvé deux jeux. Vous avez trouvé deux jeux sur 5. Je vous laisse galérer. Pardon. c'est bien, je vais vous préparer. Oui, propre ma caisse à la fin, bah oui. On n'en prend pas les doggies. Oui, on est arrivé vivant, c'est ça. Non, c'est pas ça, Twinsen. Ah, faudra que je les pose tout à l'heure dans mon Discord le tableau mystère. Je vais encore me faire gronder par une scène. Ouais, t'as oublié de le mettre.
Ah, ça rend fou, hein, le tableau mystère. Bon, faut pas rager pour autant. Pendant ce temps, Fun Fan prépare son direct. Pardon. Et là, je vous guaque. Je vous remets moi en plein écran. Allez, on retourne au tableau mystère. Bon, l'occasion pour moi déjà de vous remercier de votre présence. Merci FunFan pour la modération. Merci pour les différents bits. Il y a eu quelques piécettes desservies. Enfin, merci Bob d'avoir donné à la keynote de la chaîne. Message de FunFan 1992. Je prépare mon live. Je vous dis à tout de suite ceux qui suivent le raid. Pour les autres, je vous souhaite une bonne soirée. Faudrait presque que je te prépare, tu sais, une commande, FunFan. Que t'es juste à dégainer, comme quoi tu prépares et on va faire relais. Faudrait que je récupère ça, puis que j'en fasse une commande à part. Ce serait pas mal. Pardon. Et merci SDR qui est plus là, qui était là tout à l'heure. Si SDR est revenu, pardon. Merci à toi SDR. Tu m'as donné généreusement une centaine de bits ce matin. Merci, merci. Je kiffe ma propre compo. Je suis content de réécouter mon œuvre. Ça pulse. Alors, ça cherche le tableau mystère. Hein. C'est terrible. Oh mon dieu. Ça cherche, ça cherche. Est-ce que je... Attends, j'espère que je vais pas faire planter mon direct. J'ai envie de relancer mon Discord. Comme j'ai moins de programmes en mémoire, ça devrait passer. Et tout de suite charger le tableau 42. Ah, et merci pour les clips aussi, FunFan. Je le vois tout de suite. Tableau mystère, il est où mon truc? Alors, on en est déjà au 42. Hop. Dans quelques minutes, on fait la bascule chez l'ami FunFan. Je vais attendre d'avoir la notification comme quoi il prend l'antenne. Je regarde si vous trouvez... Non, vous ne faites plus de propositions apparemment. Alors, on a été trouvé le gars en costard. Et les motos. J'avais pas vu que j'avais fait une coquille. Voilà. Oui, re-SDR. Tu vois, on est au tableau mystère. Bah, j'ai fait une bonne sieste cet après-midi. Il fallait que je coupe le signal, j'étais pas bien. J'ai fait une bonne sieste et puis... Ah oui, ça c'est pour faire le commentaire. On vous entend, monsieur FunFan. Vous êtes encore sur mon direct. Ah oui, bon ben, bonsoir à tous. Non, ah après, faut que je prépare à l'avance, sinon les résolutions, je vais l'avoir à la 5.5. Ouais, ouais. Bah, j'attends ton feu vert pour refaire la bascule, en fait. Ah, bon,
faut déjà que je le lance. Et... Ah. Je ne savais pas si justement, on n'a jamais eu encore ce cas de figure, si je devais faire l'appel avant ou pendant le stream. Je ne savais pas encore. C'est pas un souci, tu fais comme tu le sens. Tant qu'il n'y a pas de problème technique, c'est l'essentiel. Alors, dès que j'ai les résolutions, c'est bon. J'attends ton feu vert. J'attends mon retour aussi. J'attendrai mon retour. Oh, bingo, on les a du premier coup. Ils ont ah, bah fort. C'est bien. Bon, bah voilà, on entend la cavalerie et puis ce sera bon. Alors, gestion de stream. Faire un relais. Non, merde, j'allais changer ma catégorie, moi. J'ai fait n'importe quoi. On se retrouve chez Fun Fan. Attention pour votre samedi commenté. Pourquoi je le vois pas, Fun Fan? Parce qu'il a lancé fraîchement. Il n'est pas encore détecté. Oh mon dieu! Oh, il va falloir que je le fasse manuellement. Mais c'est nul. C'est nul! Bah oui, bah du coup, je vais perdre du temps en fait. Voilà. Attendez, on m'a fait des propositions de tableau mystère là. Ah, tant que c'est pas indécent, ça va. Mais non. Mais non. Il n'y a pas que quoi. Ah bah. Fun fan reste fun fan. Oui. C'est pas ça. Les réponses que vous m'avez données sont pas les bonnes. Les trois jeux vont vous faire galérer, je le sens. Donc ça y est, j'ai mis à jour sur mon Discord. Vous pouvez déjà regarder le tableau 42 et chercher... Bah on fera le point demain, hein. Demain je reprends l'antenne en matinée, en espérant que je me porte bien. Mais normalement on se retrouve aux environs de 9h. Bon, le relais de chaîne va se faire, sous peu. Bah merci à vous, gros bisous. On se retrouve tout de suite chez FanFan, où je vais commenter. Puis je vais gérer mon miam, parce que là c'est sur le feu depuis un quart d'heure, donc ça doit être bien chaud. Merci à vous. On va basculer chez l'ami Fun Fan. Alors là, j'ai plus de... Ah. Est-ce qu'il aurait trouvé? Il a trouvé. Bravo, tu une scène. Il a trouvé. Hop, je te rajoute 500 points. C'est bien Jagged Alliance. Sur la fin. Bravo. Un montage pour YouTube. Et voilà, let's go. Bah. Il faudra vraiment que je change le zombie qui marche tout seul, ça il faudra que je vois. Bonsoir ou rebonsoir à tous et bienvenue pour ce stream. Et on commence avec les trompettes tambour battants. Et naturellement, je suis accompagné par le sage de Nancy qui vient juste de terminer son stream. Ça va le